Salut tout le monde, c'est X-Rouge et on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci je vous présente MGS5 Ground Zero. Nous sommes toujours bien sûr sur JVS.com et donc sans plus attendre, voilà, ça y est, enfin un retour d'un des Snakes que l'on suit dans la saga des MGS, notamment donc Naked Snake alias Big Boss qui, je vous le rappelle, avait pris ce nom en battant The Boss dans MGS3, mais bon. Si vous regardez cette vidéo, c'est qu'entre autres, vous devez être plutôt fan de la série. Donc voilà, passons directement au B.A.B.A. édité par Konami, développé par Kojima. Mon Dieu, quelle surprise! Sorti le 20 mars 2014 et a eu la note approximative de 14,5 sur 20, sur à peu près 7-8 sites que j'ai pu comparer. Déjà, parlons vite fait de la note avant de s'attarder sur le jeu. Je vous laisse regarder vous-même de quoi ce jeu est capable. 14,5 sur 20, c'est une note qui m'a plutôt surprise parce qu'on est plutôt habitué à avoir un Metal Gear, comment vous dire, c'est qui frôle le 19 sur 20, quoi. Enfin, des jeux qui ont toujours eu 17-18 sur 20. Je parle avec les jeux consoles de salon, pas les autres qui ont pu sortir sur PSP. Je fais notamment. Au Portable Ops qui avait eu une moins bonne note que les autres mais qui était tout aussi bon. Voilà, ça m'a un petit peu surpris parce que franchement, ayant fini le jeu, bon, je pense savoir pourquoi il a eu cette note, je vais y venir, mais franchement je le trouve monstrueux. Comme vous pouvez le voir, on voit quand même que c'est beaucoup plus axé sur le gameplay parce que c'est un open world maintenant. Voilà, on n'est plus dans une zone vraiment très cloîtré, en fait, c'est vraiment, on n'est plus retenu par le jeu, et ça, c'est un sentiment de liberté qui vraiment frôle la perfection pour des jeux tels que des jeux tournés à la sauce Kojima, quoi. Donc, parlons plus précisément du jeu. Ground Zero est le prologue de The Phantom Pain, qui sortira prochainement. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un prologue, c'est pour vous faire découvrir ce qu'il vous attend. On rencontrera divers personnages que nous aurons à faire dans ce prochain jeu. Ma mission, en fait, donc voilà, j'ai passé directement le concept, voilà, toutes les vidéos d'intro de ce jeu. Il faut que je sauve en fait un certain petit garçon nommé Chico et ensuite Paz Ortega. Donc ce sont des personnes qui ont entre autres qui ont eu connaissance de Snake, avec qui pour l'un il a travaillé. On rencontrera aussi le fameux méchant du jeu, celui qui a la tête un petit peu toute dégueulasse, quoi, toute fripée, avec la peau déchirée due par une explosion, je suppose, ça a trait un peu comme ça, qui a comme nom Skullface, il s'appelle. Donc voilà, Skullface qui est le méchant, le grand patron des Xof, X-O-F, bande de petits malins, vous l'aurez remarqué, Xof à l'envers, c'est Fox. Donc voilà, une histoire similaire de, je pense, qu'il y aura en relation avec ces unités-là. Pour vous citer le cadre, à peu près, au niveau des années, parce que je sais que les Metal Gear sont très durs à suivre en fonction, si on les a pas tous faits, on va se perdre au fur et à mesure des années, etc. Il s'agit, en fait, ça se passe juste après Peace Walker que nous avions connu sur PlayStation Portable, sur la PSP. Ça vous cite à peu près où est-ce que nous sommes. On incarne, continue à incarner le fameux, le grand et puissant, l'unique Naked, voilà, enfin, c'est vraiment, voilà, c'est le type à l'origine de tout, quoi, vraiment, pour moi, c'est mon préféré, enfin, voilà. Mon Metal Gear Solid préféré, c'est le 3, donc je ne peux dire que du bien de ce héros.
Point fort que nous pouvons relever de ce jeu directement sont les graphismes, comme vous pouvez le voir, ainsi que le jour-nuit que j'ai pu relever dans diverses missions. Je vais parler du jeu en général. Pourquoi il a eu cette mauvaise note? Déjà, je vais vous le dire. Donc, le prix un peu excessif pour ceux qui l'offrent. 29,99, vous allez me dire, ouais, c'est pas si cher que ça. Mais pour une mission principale de même pas 45 minutes, voilà, c'est plutôt. Voilà, c'est très maigre. Le jeu, avec la fin à la fin de cette mission principale, nous offre après 5 petites missions annexes. Qui ont à peu près pour une durée de vie d'un quart d'heure toutes, donc voilà, on arrive à un jeu qui à la fin, allez, fait pas plus de 4 heures. Mais bon, en même temps, voilà, je vous l'ai dit, c'est un prologue, il fallait s'y attendre. D'ailleurs, Kojima nous l'avait bien dit, c'est pour vous faire attendre à ce futur jeu, voilà. Beaucoup d'informations, c'est vraiment le jeu, c'est le spoil game avant Phantom Pain, vraiment. Si vous n'aimez pas vous faire spoiler, que vous ne voulez pas acheter ce jeu, manière de ne pas en savoir plus, et que vous voulez plutôt tout attendre. Enfin, c'est pas à faire quoi. Enfin, voilà, c'est parce que là, ce jeu va plus vous spoiler qu'autre chose. Quand on se fait remarquer, comme vous l'avez vu, en fait, j'aurais pu en fait viser et il se retourne directement. C'est pour tuer le type qui nous a stalké en fait. Donc, c'est une petite nouveauté. On s'enclenche dans une espèce de mode bullet time pour pouvoir lui caler un headshot assez rapidement et ainsi qu'il ne puisse pas alerter le fameux HQ. Voilà, qui est, enfin, je vous le rappelle, HQ, le headquarter quoi. Qui est le QG ennemi. Voilà, un jeu plutôt court. Ça, ce qui est chiant, c'est que les tranquillisants aussi, ils mettent 30 ans maintenant à agir. Faut forcément faire un headshot si vous voulez qu'il agisse. Là, je l'ai touché, il se demande ce qu'il a piqué. Pourtant, ça le repique. C'est bizarre. Voilà. Non, mais je vous jure, il en faut mais 36 000. Ça y est. Si vous visez pas la tête, je vous dis, c'est vraiment pas. C'est même pas la peine. Du coup, donc, comme je vous l'ai dit, voilà, un cycle jour-nuit, mais. J'ai noté un peu de problèmes au niveau des textures, des légers clippings dans le cycle jour, autant la nuit, c'est magnifique, là, comme vous pouvez le voir. Les contrastes de luminosité quand on se fait flasher la gueule, c'est super bien fait. Jeu très tourné sur l'infiltration. Là, voilà, suffit que j'en parle pour vous dire que voilà, en fait, c'est même pas la peine. Hein. N'essayez pas de jouer deux modes de difficulté, normal ou difficile. N'essayez pas de jouer avec l'un ou avec l'autre. Si vous vous faites repérer, c'est limite, j'ai envie de vous dire recommencer le jeu. Je vais essayer juste pour vous montrer la difficulté que c'est, mais je sais que je vais crever. Je vais crever, c'est sûr et certain. Les ennemis meurent beaucoup plus vite. Ça, c'est un gros point, ça offre une touche un petit peu de réalisme parce qu'il fallait se dire quand même que dans les anciens, ils étaient touchés à certains endroits, ils crevaient pas forcément. Là, ben voilà, en parlant de crever. Oh, je vous ai dit, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine d'essayer quand vous vous faites repérer. C'est vraiment. Là, il a vraiment été tourné. On retrouve enfin, au moins pour un jeu next-gen, enfin, même pour un nouveau jeu, au niveau de, voilà, des générations, peu importe les consoles, un niveau de difficulté qui a quand même été abouti. Kojima, je vous l'ai dit, ils savent ce qu'ils font. Et savent nous emporter où ils veulent. C'est vraiment, voilà, ce sont des licences telles que, voilà, je pourrais vous citer d'autres comme Naughty Dog, Rockstar, sont des licences, ils savent ce qu'ils font, voilà, on sait pourquoi ils sont payés, les types. Et voilà, ils nous le tournent à leur sauce comme ils le font si bien. Et c'est ça qui est super. Bien, voilà. Record distance tir à la tête. Magnifique. Du coup, voilà, après, comme je vous ai dit, le jeu, voilà, très tourné infiltration. Pour ne pas vous spoiler complètement le jeu, car je vous ai dit, voilà, dès que j'ai fini cette mission, j'ai fini le jeu. Sans faire les missions secondaires, voilà, j'ai fini l'histoire principale du jeu. Donc je la couperai en plein milieu, je me dois au moins de faire ça. Je me dois au moins de faire ça, parce que, voilà, la finir complètement, limite, je vais qu'à vous faire un playthrough, quoi, enfin, un 100% du jeu. Et je préfère pas, vous savez, je fais que de la vidéo test. Et qui dit test, dit uniquement aperçu du jeu. Donc voilà, et puis je sais que voilà, je vais essayer de le tourner plutôt sur l'infiltration comme là. Donc si vous jouez infiltration, vous allez mettre facilement 20 minutes de plus à chaque mission. Et franchement, je pèse mes mots. Donc de toute façon, on arrivera, allez, je pense que, allez, voilà, 25 minutes max pour cette vidéo, ça fera l'affaire, quoi. Voilà, vous en faites pas pour le reste, quoi. Donc voilà, du coup. Je vous parlais aussi. Ouais, voilà. Je sais que la personne qui est derrière ces murs, c'est Paz qu'il faut aller sauver.
Du coup, voilà. Dès que je la sauve, j'arrêterai la vidéo. Comme ça, au moins, vous savez à quoi vous en tenir. Du coup, comme je vous ai dit, c'est vraiment le spoil game. Il va vous dire de ces trucs. Je n'ai pas envie non plus de tout vous dire. Mais bon, allez. C'est un test, je me répète. Donc, je vais plutôt voilà, vous livrer une grosse information en même temps. Mais. Voilà, je sais que beaucoup de gens ont vu la fameuse photo où est-ce qu'il conduit une moto, il a des cicatrices de partout, là vous voyez il est plutôt clean, il a ce fameux bras robotique rouge au bras gauche, je ne vous dirai pas comment il a perdu, viens là toi, oh bordel, magnifique, bon voilà, de toute façon j'ai pas envie de perdre de temps, voilà, magnifique, super bien fait, voilà, je vous dirai pas comment il a perdu son bras, on le voit dans le jeu, on sait à quoi s'attendre. Mais je vais juste vous dire un gros truc. Quand vous finissez le jeu, il y a une sorte de d'énumération, une fresque qui se met en place au niveau des crédits. Ça vous dit en 1970 et quelques, 80, 90, 2000, tout ce qui s'est passé pour vous resituer dans le temps par rapport à Metal Gear Solid, à l'histoire de Metal Gear. Donc voilà, c'est pour compléter en fait avec une courte vidéo qui vous arrive à la fin. À la fin du jeu, sachez qu'à la fin de la démo, donc voilà, gros spoil, mais en même temps, voilà, qui va pas vous dire tant de choses sur le jeu lui-même, mais c'est surtout juste une information concernant Snake. Mais vous en faites pas, enfin voilà, c'est juste un truc assez impressionnant à savoir, mais qui va pas plus vous changer l'esprit que ça. Hein. Vous inquiétez pas, j'ai pas envie de lâcher non plus de grosses informations. Sachez juste qu'à un moment, Snake. Va dû à un accident. Voilà, je simplifie la chose énormément, hein, j'extrapole la chose vraiment à l'extrême. Un accident. Il tombe dans le coma. Voilà. Il se réveille. Du coup, oh bordel. Voilà, je parlais de ce fameux bullet time. Avouez que c'est magnifique. Donc du coup, il se réveille. Première question qu'il veut demander au toubib, c'est combien de temps il est resté endormi. D'où la fresque un peu aussi qui nous parle de ce qui s'est passé en fait, en quelque sorte aussi pendant qu'il était dans le coma, d'après ce que j'ai pu comprendre. Il est resté dans le coma pendant 9 ans. 9 ans. Et donc, petite parenthèse, vous voyez que je l'interroge, je peux faire toujours le fameux speak, et quand il parle, il donne du coup des informations sur les personnes qui l'entourent, sur ses alliés, etc. Enfin, je parle du soldat ennemi. Et votre carte se met à jour en fonction des informations qu'il vous lâche. Donc du coup, la carte... Et tourner de façon dynamique et change en fonction des informations que vous pourrez avoir tout au long de votre partie. Pour en revenir à cette histoire, donc du coup, il se réveille 9 ans après tout cela. Donc c'est pour ça que voilà, il va devoir un petit peu refaire le ménage de tout ce qui a pu se passer ou est-ce qu'il n'a pas pu intervenir pendant ces 9 années. Le monde a changé, bien entendu, pendant surtout pendant qu'il était dans le coma, quoi. Enfin. Donc d'où le fameux logo qu'il avait sur la poitrine dans la photo où est-ce qu'il est avec enfin sur la moto. Vous voyez qu'il y a écrit, si vous regardez bien, Diamond Dogs en fait. Donc c'est carrément une nouvelle unité plutôt enfin tirée sur la vengeance, un petit peu voilà, purifier un petit peu tout ça, remettre de l'ordre dans ces années qui n'ont pas été surveillées. Donc voilà, la création de cette unité, enfin voilà, ça vous parlera de tout ça. Bon, vous voyez, c'était pas un si gros spoil que ça, voilà, je vous dis pas ce qu'il fait, alors qu'on peut le savoir, voilà. Et encore, voilà, je crois que la plus grosse information que l'on veut vraiment savoir, c'est qu'est-ce que Zeroes, pourquoi il a plus le bras, tout ça. Vous le saurez dans ce jeu, il ne tient qu'à vous de le faire. Je vous ai dit, 45 minutes. À faire. Putain, il la jette comme un sauvage. Je dis, va au sol, casse-toi. Je pense que je vais les éclater. Je vais les éclater. Voilà. Bon. Non mais voilà, tourner hein, des fois. Enfin, bon, normalement, faudrait jouer sur l'infiltration, mais bon, moi l'infiltration et moi ça fait deux. Déjà. Je me fais bien souffrance en ne faisant pas sonner l'alarme, mais bon, en même temps, j'ai compris que faire sonner l'alarme, ça menait à rien. Un peu sauvage aussi, quand il la remet sur les épaules, on voit qu'il a envie de se dépêcher. On quitte après aussi ce mode un petit peu, je marche normalement, je fais un trot. Voilà, quand vous appuyez sur la touche L3, bon,
Je vous rappelle, c'est un test sur PS4. Donc même pour les consoles Sony, vous appuyez sur L3 et là maintenant il va sprinter. Donc on a un nouveau mode de rapidité quoi en fait. Donc ça c'est plutôt sympa. Salut toi. Je me demande comment je vais l'éclater. Enfin voilà. Donc tout ça pour vous parler de ce gros prologue qui vous indique quand même pas mal sur le jeu. Après, comme je vous dis, le jeu parle de lui-même. À vous de voir comment dans l'ensemble ça s'en sort pour que vous puissiez vous faire votre propre idée. Avis très mitigé par rapport aux fans. Après, je suis pas plus fan de la série que ça, même si j'ai eu l'occasion de tous les faire parce que c'est une série quand même qui m'intéresse, que je prends quand même beaucoup de plaisir à faire. Mais après, je n'en fais pas mon jeu phare pour autant, même si j'ai énormément de respect pour la série Metal Gear Solid, comme vous avez bien dû me l'entendre dire tout au long là de cette vidéo jusqu'à maintenant. Je tarifie plus d'éloges au sujet de ce jeu que je blâme la chose. Donc voilà, je vous ai parlé donc du coup aussi des missions secondaires pour vous rajouter du temps de jeu. Les missions secondaires, voilà, vous pensez que ça ne sera pas tourné que infiltration, il y a vraiment des moments assez bourrins dans le jeu, il va y avoir de l'escorte à faire, vous serez en haut d'un hélico pour couvrir un mec avec une putain d'arme, lance-grenade, tout ce qui va avec, etc. Ensuite, qu'est-ce qu'il y aura à faire? Vous aurez du target de cible carrément. Vous allez devoir faire le tueur, tuer certaines personnes en particulier, récupérer des informations confidentielles. Enfin voilà, c'est vraiment plusieurs objectifs qui seront sympas. Donc, qui dit mission secondaire dit forcément du coup mission secondaire. Je lui marche dessus, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, j'espère au moins que son cri peut pas me faire repérer. Enfin, du moins, je ne pense pas. Donc du coup voilà, qui dit ces missions secondaires dit sûrement qu'elles y seront du coup dans le prochain jeu et donc que vous n'aurez pas qu'à faire peut-être la mission principale, vous pourrez aussi un petit peu vous amuser en relevant tous ces défis-là quoi. Voilà. C'est. Putain, elle me fait vraiment chier à gueuler comme ça. Oui, il va falloir quand même que je fasse quelque chose par rapport à ce mec. Attends, vise mieux que ça. Aïe 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 aïe. Vous voyez, quand votre écran devient trop éclairé, ça veut dire qu'il est en train de vous stalker grave, quoi, le type. Par où passer? Non, voilà, vous aurez plusieurs choses à faire dans le jeu. Moi, franchement, moi, ça m'a pas dérangé de débourser ces 29,99 pour ce jeu-là. Même s'il est plutôt court, ben, voilà, quand on est fan de la série, comme on dit, quand on est fan, voilà, comme dit le dicton, quand on aime, on ne compte pas. La logique veut que bah voilà, quand on est fan de la série, du coup, voilà, on se fait un peu de mal en prenant ça. Et puis voilà, je pense que c'est pas non plus. Ça aurait pu être le prix d'un gros DLC, quoi. Voilà, ouais, enfin, grossièrement parlant, c'est plutôt oui, voilà, on est en train de jouer un gros DLC, bon, bah, qui est sorti version boîte, quoi. Voilà. Mais bon, après, je trouve que l'avis de la plupart des lecteurs sur les sites ont été plutôt assez mécontents de la chose, plutôt violents sur leurs propos. Je ne vois pas en quoi, après, voilà, les pros de la série pourront dire pourquoi il. Et merde. Pourquoi il. Apparemment, il ne tient pas si bien ses promesses. Je ne sais pas si vous voyez déjà les défauts du jeu. Bon, pour moi, tout me plaît jusqu'à présent. Bon, j'ai attiré l'attention. Voilà ce qu'on peut faire. Un moment open world, on peut aussi diriger des véhicules. Tous les véhicules. Des jeeps, des tanks. Enfin, vraiment faire le bon gros con. Donc, voilà, c'est toi qui as sonné l'alerte. Je t'ai enculé. Voilà, vous pourrez faire, voilà, on retrouve voilà ce bon côté open world tout nouveau. Et moi, franchement, je trouve que c'est ça qui manquait à la série pour vraiment me le faire kiffer. Je pense que ce Phantom Pain, je vais le kiffer. En fait, je vais le kiffer plus que les autres, je pense. Je sais pas pourquoi. Enfin, ça m'étonnerait pas que je le kiffe bien. Toi, tu crois que je t'ai pas vu, toi, là-bas? C'est vrai qu'ils prennent, c'est toujours aussi bon, quoi. C'est toujours sympa, on retrouve vraiment cet effet ragdoll de la chose, enfin les corps qui volent, la motricité des corps, voilà, l'effet ragdoll. Hein. Parlons avec les termes anglais, quoi. C'est très sympa. Bon, je pense avoir fait le ménage partout. Ouais. Bon, ben voilà, comme ça, vous voyez au moins une phase où est-ce que vous êtes alerté.
Oui, je suis en mode normal et pourtant les grenades ils arrivent à les jeter pile au-dessus du tank. En fait, ils vont pas vous louper. Je suis mort à cause d'un jet de grenade à la première fois. Même en normal, les ordis savent ce qu'ils font, quoi. Voilà, c'est vraiment. Oh ta gueule. Bon, allez, on va courir un peu. Et je vais aller la sauver et enfin finir cette vidéo qui, j'espère, au moins vous aura tenu en haleine jusque-là. Moi, pour moi, je trouve qu'il tient très bien ses promesses. Et finalement, je crois que je vais peut-être crever. Vous avez vu ce peuple qui est en train de se ramener. Bordel de merde. Ces effets de taches de sang qui crament l'image en même temps, enfin, effet un peu dégradé, c'est super stylé. Donc après, il aura bien sûr des sprays pour se remettre de la vie, vous aurez bien sûr divers objets. Mais voilà, on retourne un peu maintenant. Là, le jeu nous fait croire que, ben, en fait, on oublie maintenant cette fameuse barre de vie qui inspirait justement Snake, qu'on a pu voir dans le Gun of the Patriots en jouant Solid Snake. Ou alors après, soit le 1, le 2, comme on a pu diriger vite fait Raiden dans les autres Metal Gear. Voilà, on oublie cette barre de vie, on se trouve le côté un peu FPS du jeu, un Call of Duty ou un Battlefield. Vous savez, respirer de l'air pur, ça fait du bien pour la santé, vous allez guérir d'absolument tout. Ouais, voilà. Comme disait dans une de ces vidéos, le joueur du grenier, ouais, je sais que l'air de la montagne ça fait du bien pour la santé, mais de soi te régénérer tout. Si l'air pouvait soigner le cancer, on le saurait, quoi. Enfin, ça, c'est moi qui l'ai rajouté. Enfin, voilà. Donc, il faut que je l'amène à une extraction, enfin, un point d'extraction avec un hélico. Il me semblait qu'il y avait quelqu'un. Non, bon, mais tant mieux, écoute. Hein. Bon, bah, allez, on y est prêt. Donc, voilà, la zone, elle est là-bas, elle est affichée. D'ailleurs, ben, ça me pense qu'il faut que je fasse un truc. Il faut que j'appelle l'hélico. Faut que je l'appelle. Hop, appeler l'hélicoptère. Ouais, voilà, je suis là, c'est parfait. On retrouve un peu plus le tracé de notre chemin, c'est super. Donc voilà, et l'hélico va arriver. Et on va pouvoir enfin l'évacuer. Et j'irai sauver Chico, mais bon, ça c'est dans. Voilà, c'est la seconde personne à évacuer pour terminer la mission. Mais comme je vous ai dit, voilà, je vais en sauver qu'une. On est à 20 minutes de vidéo. Voilà. Donc du coup, ça fait déjà pas mal à publier. Et ça vous permet au moins de voir le truc, parce que voilà, l'autre, je sais qu'il est dans une petite prison bizarre, enfin dans plusieurs cellules, il faudra trouver la bonne, mais ça revient absolument au même, c'est faut aller la trouver, pas faire sonner l'alerte, sauver, voilà, c'est la simple mission de sauvetage que vous aurez aussi à faire dans des missions secondaires. Là, ça parle de mission principale, mais toutes les missions, enfin objectifs que vous aurez à faire dans les missions secondaires seront bien entendu à faire dans le mode principal, quoi, parce qu'il vous l'aura fait découvrir à la base. Au fur et à mesure que vous arrêterez le jeu, que vous le relancerez, vous aurez un menu. Enfin, là je parle pour ce jeu-là, je sais pas s'ils le feront dans le vrai. Vous voyez Snake en fait, et si vous faites un peu éclater la gueule dans la précédente mission, qu'il a pris des dégâts, etc., ben, dans le temps de chargement, pendant qu'il est en train de fumer sa clope et que vous choisissez sa mission, parce qu'on voit, Naked Snake fumer sa fameuse clope, comme à son habitude. Enfin, bon, tous les Snakes aiment fumer, c'est bien connu, même si ça enlève de la vie. Fumer, c'est mauvais pour la santé. Voilà, c'était le message gentil du jour. Donc du coup, on verra les dégâts qu'il aura pris dans la précédente mission, les dégâts qu'il aura eu au cours de la précédente mission. Voilà, les dégâts physiques qu'il aura reçus. Voilà, il concentre le feu. Voilà, c'est bien, franchement. L'IA n'est pas si conne que ça. Voilà, il se cache. Bon, me voyez pas, donc du coup, ils se mettent un peu à découvert. Mais bon, voilà. Eh bien, bon, ben, ça y est, l'hélicoptère est parti. Oh oui, il est déjà loin, c'est bien, bravo. Bon, eh bien, voilà. Info de la mission, donc du coup. Ouais, donc il est par là, je marque. Voilà, il est là-bas. Très bien, très bien. Bon, eh bien, oh. T'es où toi? Oh, t'es là. Oh, le headshot! Oh putain, qu'est-ce que c'est beau. Putain, ça, ce côté bullet time, je trouve que ça, c'est pour moi une putain de nouveauté, j'adore. Je me rappelle pas que dans d'autres il l'ait fait, enfin du moins je pense pas. Je me rappelle pas que dans Gun of the Patriots il y avait ça. Et voilà, c'est l'aptitude. Oula! Allez, dans les tympans. Salut Van Gogh! Du coup. Voilà, enfin. Bref, et eh bien écoutez, on va s'arrêter là. Voilà, l'aspect bullet time, une petite ressource de Soli, de Naked, pardon, putain. Faudrait que j'arrête de les comprendre. Bim encore. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que mon test vous aura plu. Et eh bien d'ici là, je vous dis à très bientôt pour une de mes prochaines vidéos.
Sur ce, les amis, je vous dis à très bientôt. Ce test était dédié entre autres à Yannick Allière, Anthony Martinez et Gabriel Klein, des fans de la série. À ciao tout le monde!